close. J'ai son rack à 3 quand même, ça heal bien, ça tient bien. Je crois que lui me tue quand même. Non? Allez, Soraka, tu peux le faire, tu peux le faire. T'es niveau 3, t'es solide. Solide sur tes appuis, tu soignes tes collègues. Tu vas le défoncer. Allez! Allez là! C'est passé! On l'a explosé tout à l'heure. Il a pas vraiment amélioré son board. Il a pas de niveau 3. Il a Harry 1 au lieu avec une deuxième Harry. Normalement, on est assez fort. En fait, mes Soraka sont normalement assez forts pour pas mourir sur son Yasuo. Ah, bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Qu'est-ce qui s'est mal passé dans ce combat en vrai? Comment j'ai perdu ça? Je l'ai explosé tout à l'heure. Touche D est ton ami, ouais, je connais. T'inquiète, Bayern. Là, je le fais en mode. En mode. Molacité, quoi. Il est un peu sauce. Pour ne pas dire, on n'a pas grand monde en fait. En front. Oh non, tu l'as laissé à 48 HP. Are you kidding me? Ah, il l'a laissé à 48. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme ou quoi?
Let's go! Et salut à tous! Salut Alderaan, salut Insurgé, bienvenue! Bienvenue les petits Dragonitos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va partir sur une petite sessiones, una pequeña sessiones de Teamfight Tactics. À l'heure actuelle, je crois que je suis classé Diamant Uno. Diamant Uno! Donc on peut tester, on peut tenter de forcer l'action et de passer master. Petit passage master qui se vaut. Et puis on enchaînera ensuite avec les news sur Magic, les MTG News. Donc à 18h et j'ai prévu sur les MTG News un spécial Barcelone où on se décortique, on regarde un peu tout ce qu'il y a sur Barcelone. Ça va surtout être... Voilà, une session Magic Just Chatting où on discute un peu de la MagicCon de Barcelone. Donc ce week-end, moi, je suis à Barcelone, les amis. Si vous voulez me rencontrer en vrai, vous pouvez bien sûr me rejoindre. Et du coup, je ne streamerai... Enfin, je streamerai, mais probablement en IRL, en live. Je vais prendre le matos pour faire du stream depuis Barcelone. Donc si vous avez envie de suivre un peu mes aventures ce week-end, vous le pourrez. Et ça veut aussi dire que cette fin de semaine, je vais faire une petite pause sur Teamfight Tactics. Vous savez, j'essaie de vous streamer du Teamfight Tactics tous les après-midi. J'essaie 14h30, 15h jusqu'à 17h, 18h, aujourd'hui 18h. L'idée, c'est d'essayer de gratter ce master, mais j'ai malheureusement pas... temps infini, donc il faut être efficace. Quand on n'a pas temps infini, il faut être efficace. Donc, petit stream sur Teamfight Tactics. Alors, est-ce que j'ai l'overlay? Petit stream Teamfight Tactics. Avant de partir sur la méta, je vais regarder. Je vous ai montré ça la dernière fois je vous ai montré mon classement. Mes dernières parties n'étaient pas très fructueuses. J'ai fait top 4. Dans top 6, dans top 3, dans top 6, dans top 1, dans top 5. Donc plutôt des games assez moyennes. La compo qui me fait le plus de top 4. La compo que j'ai le plus joué. Dommage qu'on puisse pas classer dans l'ordre. La compo qui me fait le plus de top 4. Est-ce qu'il y a une compo que j'ai beaucoup joué et qui me fait plus de top 4? C'est, je crois... canonnier, île obscure. Voilà. La compo qu'il faudrait que je joue tout le temps si je veux grimper, c'est probablement cette compo, canonnier, île obscure. Du coup, une compo Tristana. Donc, il faudrait que je force Tristana comme un sale parce que c'est la compo que apparemment je maîtrise le mieux. Mais on va essayer de jouer flex aujourd'hui. On va essayer de jouer flexible. Toujours avec la petite Caitlyn. Et on va voir si on peut faire du bon avec ça. Salut Makimi. Salut Alderaan. Bon, vous allez bien les dragos? Vous êtes en forme? J'ai vu qu'il y avait le Tomorrowland en ce moment. J'ai vu qu'il y avait Tomorrowland. Il y a des musiques de Tomorrowland en ce moment. Et je viens de finir de record ma première vidéo. Je vous ai dit que je lançais un petit projet pour MTG vous pouvez me faire un don pour que je joue un jeu Magic de votre choix dans n'importe quel format. Et je vous sors une petite vidéo YouTube spéciale dédicace dans ce format-là. Si vous avez envie de faire la même chose pour Teamfight Tactics, les amis, vous pouvez me faire un don. Voilà, don 20-25 euros. Et je fais une game Teamfight Tactics où je force la compo de votre choix pour vous apprendre du coup à jouer une compo. On peut faire ça aussi. si vous avez envie. L'idée c'est que j'essaye de gagner ma petite vie de streamer et de financer un peu mes options. Donc là je viens de finir, j'ai fait une ligue avec Ondin. On m'a demandé de jouer Ondin. J'étais plutôt chaud. Ok, vous vous rendez dans un lieu aléatoire pas proposé ici, ça me va.
Lorsqu'une unité meurt, ramassez son âme. Ou Carapateur à gogo. Les gens adorent cette map. Les gens adorent vraiment cette map, Carapateur à gogo. Ils adorent. Ça donne de l'or à tout le monde, ça donne des objets, de l'or. Les gens kiffent cette map. Je sais pas pourquoi. Salut Pampers, merci pour le follow, merci à vous pour les follow. Alors, est-ce que les alertes sont activées? Bim! Alert activated. Alert has been activated. Let's go. Ok, on a un action et une Katarina pour commencer. Katarina qui est Rebel Noxus action, qui est Shurima tireur d'élite. La compo tireur d'élite qui est aussi très très forte en ce moment. On peut commencer pas comme ça du coup. Mettre deux petits tireurs d'élite. Et on peut lui donner soit Shurima. On peut partir sur une diagonale. Il nous manque deux Shurima. Donc j'en ai un. Ou trois Ionia. Auquel cas on va peut-être revendre cette Katarina. Pour essayer de faire ce start là. Voilà. On achète les one cost. C'est important en début de partie. J'ai la moitié du nœud. Ok, il nous faut une front lane. On va avoir des dégâts, il nous faut des personnages en front. Du coup, je peux aussi faire Viego 3 en revendant ces deux Kayle, par exemple. Viego 3, ça me fait un petit start. Sachant que j'ai Caitlyn, on va jouer la stratégie, une stratégie où si je peux gagner en early, je vais essayer de gagner. Si je ne peux pas gagner, on va s'adapter. Mais c'est ça. Deux fois par phase, vous obtenez gratuitement un choix. C'est moi qui ai gagné la map. Ah, je croyais que c'était l'autre. Ok, on a un Tariq qui est ça. Une unité de palier 1, deux unités de palier 2, une unité de palier 3. Je crois que c'est pas assez fort. Est-ce que je vais prendre prix du sang? Chaque fois que je perds des points de vie, je gagne des gold. Je peux mettre un start avec lui. Quand même push ça. Mettre ça là. On est probablement pas super fort. Ou pas encore super fort. J'ai cru que c'était l'autre map de Bundles. Mais en fait, c'est moi qui ai gagné la map, en fait. Du coup, on est allé sur une map aléatoire. Alors, en vrai, ça me va de perdre. Tant que je perds pas trop de points de vie, je pense. Après ça, ça peut être une bonne stratégie d'open. En piltover. Et sorcier Deadeye. On va peut-être faire de l'écho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me coûte cher ce action pour le moment. Mais je préserve des points de vie. Une PO tous les 3 PV. Ah, je vais peut-être gagner ça. Ah, je vais probablement gagner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Alors, c'est dommage de prendre cette augmente et de pas en profiter en termes de... Ah, c'est quand même dommage de prendre cette augmente et de pas en profiter en termes d'économie, quoi. Popopopom.
peut avoir. On a un petit start incantateur. On a un petit start incantateur. On peut vendre. On peut vendre certains de ses persos. On va regarder un peu ce qu'ils font. Lui, il a sadisme. Ses persos régènent. Lui, il gagne des HP. Néant, Challenger. Je pense pas qu'on gagne ça. Si ? Alors peut-être. Non. Ok, alors qu'est-ce qu'il joue ? On va regarder ce qu'il joue un peu. Qu'est-ce qu'il joue, mon lobby ? J'ai potentiellement 2 karma si je prends 7 tirs. Ça me fait aussi la moitié du stuff d'un Jarvan. Ça me va. On va prendre les 2 karma. Tu seras à Barcelone, tu fais quel tournoi là-bas? Je sais pas quel tournoi je vais faire à Barcelone. Mais j'y serai pour chill. Ouais. J'y serai pour rencontrer la commu. AFK. Réduction de dépenses, il va level up plus vite. Incantateur Shurima. Targon, incantateur Bastion. On est un peu contesté. On va pas équiper les items. Je pense qu'on a le temps. Ok, donc lui il a la même comp que moi, lui un peu parce qu'il a incantateur ici donc il va jouer un peu la même chose. Donc va falloir probablement switcher. Va falloir probablement switcher de comp. Donc je pense qu'on va partir sur incantateur. On peut partir sur sorcier aussi. On peut partir sur une comp sorcier. L'idée, ça va être de monter niveau 7 ou 8 et de faire cette comp-là, qui est toujours bien. La question, c'est comment on y arrive à cette comp sans prendre trop de points de dégâts. Ils jouent tous des incanteurs. On pourrait passer en 6 sorciers comme ça. Je pense ça. Bon, l'idée c'est de pas équiper les items. Peut-être que je peux mettre ça. On va mettre ça sur les. Ce Swain, ça va être mon Jarvan de late game. On essaie de rentrer dans l'idéal, c'est bien de rentrer une Soraka pour rentrer Targon qui va augmenter les soins et boucliers. C'est pas mal avec Orianna 2, vu qu'elle met un bouclier. Je vais gagner ça ? Je pensais pas gagner. Je peux tout vendre. Mais c'est dangereux. Je pensais pas gagner aussi facilement. Ok, ça peut être mon start. On peut commencer avec ça. Tu vas à Barcelone, toi, Quizzy ? On peut commencer comme ça. Je sais pas si je vends les karma. Karma, c'est dans ma comp à la fin. Karma, elle entre beaucoup de traits un peu intéressants. Lui, il est dans ma comp aussi. Tu vas tenter ta chance sur l'open limité. C'est cool, ça. Je vends. On pourrait acheter Piltover en vrai. Faire le bet avec Piltover. L'open limité, c'est un sacré tournoi. Hein. T'es motivé quoi. Et ça nous a donné un Akshan. Intéresse moyen.
On peut faire un GS. Faire un Giant Slayer sur lui. Là, on est au max d'économie. On va probablement prendre une patate. La question, c'est comment on fait pour arriver au niveau 8 sans avoir pris trop de points. Est-ce qu'on peut y arriver ? En fait, l'idée, c'est de jouer juste Karma pour rajouter Incantateur et Ionia. Et un peu de dégâts sur la comp. Cette comp, j'ai beaucoup de... Je trouve qu'elle est, elle est assez forte. Ça dépend toujours de la force du lobby, mais elle est assez forte. Le sorcier récupère du mana. Salut, Crabe. Non. Je sais pas qu'une unité meurt, tous vos alliés récupèrent 10% de leur PV. Hein. Ça peut être sympa avec Targon. Non, j'ai 22 XP. Bon, 22 XP, hein. On peut rentrer Colosse et... On peut rentrer un peu de front. Je suis encore à 64 HP. Je pense qu'on va faire ce Giant Slayer pour tuer un peu plus d'unités. On va peut-être mettre l'armure sur le Swain. Là, on va essayer de chill un peu. Je pense pas qu'on gagne parce qu'on est en mode full écho. On va essayer de push jusqu'au niveau 7-8. Et au niveau 7-8, on va dépenser nos gold pour essayer d'avoir des champions qui coûtent 4. La question, c'est est-ce qu'on va pas perdre trop de points de vie? Étant donné que les points de vie que je perds, ça me donne des golds, je vais probablement pouvoir avancer en niveau beaucoup plus vite. J'ai un 7-2. C'est quand même pas mal, ça. Donc je garde cette Karma, je garde ce Taric. Au pire, on la remplacera. Il me fait 3 sorciers. J'ai un sorcier de trop. J'ai pas de gros espoirs sur le tournoi, mais on se fait un kiff avec un pote. Non, mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Franchement, jouer un Grand Prix, c'est plus une expérience... challenging, tu vois, quand tu joues à un Grand Prix, que tu pars sur 2 jours de tournoi, que ton but c'est de faire 2e jour de tournoi et tout, c'est le mindset qu'il faut. Faut partir avec ce mindset là. Salut Treva, salut Crab. Donc là, mon plan c'est d'aller niveau 8, donc je dois dépenser pas mal de gold pour aller niveau 8. Et globalement, ne pas mourir. Je peux prendre le Azir. Ça me fait Stoneplate Azir. Il fait partie des champions qu'il me faudra dans ma compo. On peut tout de suite lui mettre le Giant Slayer. Euh, 58 HP. Il faudrait que j'arrive là à 30 HP, je pense. Ok, j'ai un chêne. Ça, c'est huge. C'est vraiment huge. La question, c'est qui va porter... On peut sortir Poppy. Rentrer elle. On va mettre ça là. J'ai mal placé mes units. Acheter le chêne, prendre ça. Il
Le niveau 7. Il nous faut 60 gold pour level. Je vais gagner. Je vais gagner ce match. C'est vraiment bien. Et donc là, le fait d'avoir pris Caitlyn, je sais que j'ai minimum... je sais que je vais avoir minimum 15 rolls gratos avec Caitlyn. Du coup, je suis sur une composition qui me plaît. Enfin, je suis sur une lancée où je sais que je vais pouvoir trouver mes champions. J'ai généré assez d'économies pour ça. Jouer Teemo à la place d'elle. Jouer ça. Incantateur. On jouera probablement pas Teemo dans la comp et on jouera pas ça. Ok. Donc là, on a la moitié de la compo pour switcher. Il nous faudra trouver Jarvan, Garen, Lux. Et on a déjà les autres. Jarvan, Garen, Lux. Et après, on essaie de trouver nos niveaux de... On est encore à 58 HP. Donc on est plutôt bien. À 58, on est bien. En plus, on arrive à soit clean un peu les champions, soit... Ça bien push. Je pense que... Ouais, si on arrive à gagner ces rondes alors qu'on est en mode économie chill, c'est vraiment une bonne nouvelle. Azir. On a la moitié des persos. Du coup, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je garde. Je peux garder Soraka. Du coup, j'ai 3 incanteurs. Elle rentre que Targon, elle. Faut poncer le format avant. Bah, pour faire LOTR, si vous avez regardé un peu mes streams, le format Lord of the Ring, vous l'avez. C'est quoi tous ces gants? C'est quoi tout ça? Ok. Oge. Gangan. On met Gangan sur qui? Gangan sur... sur Lux. Faire Oge Spellcrit aussi. Pas le stuff qu'il préfère, mais... J'ai déjà une strat en tête, ouvrir un pool avec beaucoup de noirs et c'est parti. Faut juste... En fait, en paquet scellé, faut que tu saches quelles sont les bonnes commons. Bon, lui, il joue cette compo. Je pense qu'on va arriver avec beaucoup de gold quand même. Ah, je suis à 51 HP. On prend les actualisations gratos. Et c'est maintenant. Ça. Tariq 2. Ah non. Jarvan à la place de lui. Ça. Lux. Lux à la place de ça. Vas-y, Lux. Faut qu'on soit fort là. En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. On peut faire Gangan Lux. Mon second carry. Et on a une Oge. On jouera pas Akshan. Alors, j'aurais pu être plus fort que ça, mais je suis pas mal fort quand même. J'ai Azir 2, je vais peut-être mettre Oge. Vas-y, c'est pas le meilleur item, mais au moins on pose nos items, quoi. On gagne ce fight. Ouais, on va peut-être gagner. Non, j'aurais dû slam la Oge avant. Il me reste des rolls.
J'ai luxe 2. Qu'est-ce qui me manque là? Il me manque... manquerait Jarvan 2. Jarvan 2, c'est important quand même. Let's go. J'ai toute ma compo 2 sauf ce Garen qui est moins important. Et je pense qu'on peut essayer d'aller niveau 9. J'ai 35 PV. Normalement, on est assez fort. Mais... on a juste un item sur ce Azir. Et il faudrait rentrer Targon. Targon ou des unités légendaires. Tout miser sur la chance. ça c'est Targon. Un spell crit. Alors lui il joue quoi? Il joue Cinéant, Sorcier Bastion Challenger, Challenger Colosse, Tireur d'élite. Lui il joue Incantateur. Il joue Stratège Shuruma Targon. Il joue un peu ma comp, mais il a pas les persos. Et lui, il joue Tireur d'élite. Qu'on est plus fort que eux. La question, est-ce qu'on peut faire Karma 3, tiens? C'est pas très utile Karma 3 parce que c'est pas elle qui est censée carry mes fights, mais hein. Il manque peut-être un item sur ce Azir. Ouais. Avec cette Karma sert pas à grand chose en vrai. On va pas l'acheter. On va essayer de passer niveau 9. J'ai quasiment tout de up. Je peux rentrer de Targon niveau 9. Je suis à 23. Peut-être répartir un peu la charge. Bien sûr, avec plaisir, Cuisine. Si on se croise à Barcelone, tu me poques. Tu me le dis, hein. Moi ça me fait plaisir. Hein. Ça me fait plaisir de voir des gens en vrai. On manque un peu de dégâts. Hein. On manque un peu de dégâts là, ça veut pas tomber en face. Hein. Mon Azir avec Giant Slayer qui... pas assez le taf, je crois. C'est horrible. J'arrive jamais à concrétiser ces comps là. J'ai mis Gangan sur Lux. Peut-être que j'aurais dû mettre Gangan sur la front. Gold, je suis à 9. On va essayer de pas faire dernier. Ok, on a une Ginzu sur Azir. Une Ginzu. Il manque un gold pour level up ça. Blade Karma. Manque un gold pour push ça. Je pense que je suis un peu au fond du trou.
Un peu au fond du trou anyway, donc on va dépenser toute l'écho. On va voir. Sur G4 pour que Lux proc Demacia. J'ai mis un Gangan sur Lux. Elle peut pas proc Demacia. Et vu qu'il me faut des items de dégâts, je préfère laisser le Radiant sur Jarvan qui est mon main tank au centre. Mais je comprends l'idée. Non, je vais pas perdre ça quand même. Mais what the fuck? Comment je perds ça? J'ai vraiment tous mes persos level 2, quoi. Je peux mettre un deuxième Jarvan. Ça va être une belle levette. Sur Jarvan pour que... Ah non mais le Gangan j'aurais pas dû... Ouais j'aurais dû mettre le Gangan sur Jarvan tu veux dire. J'aurais dû mettre le Gangan sur Shen ou sur la fronte ouais. Après là c'est un mirror match. Normalement pas trop mauvais mais... Hein. Ce Urgot il veut pas tomber hein. Velvet pour des dégâts. Ouais, y a pas grand chose. On essaie de remonter ça, mais ils sont forts. Hein. Tout le monde est vraiment fort, là. Ah, le Jarvan qui caste pas. En vrai, j'ai pas compris ce qu'il faisait, Jarvan, là. Il voulait pas jouer. Il voulait pas trop jouer ce Jarvan. Alors, c'est quoi le Rise? C'est Bundle. Archange. Peut-être une random Harry. Random Harry sur le board à la place de Targon. Soin et bouclier. Lui, il fait un bouclier, lui aussi. Parce que Harry est quand même mieux. Je peux avoir Harry 2, ce serait Yimb. Rise. Harry ou Rise. Dommage. Allez Jarvan. Ah lui il est fort. Lui on n'a pas réussi à le tomber tout à l'heure. Là le Jarvan a sauté bien au milieu. Mon Azus est tombé. Ok ça devrait bien se passer. Si Jarvan ressaute on est bon. Il a pas ressauté. Ok. Donc on n'est pas bon. Quand même Harry. Son Jarvan m'a son Azir a des pop mon Azir. Top 5. Ils étaient super strong. Ils étaient super forts. Trésor tireur. Qu'est-ce qu'il avait lui? AFK, stat à foison. Il avait quoi? Il avait Rise 2. Trésor. Un Jarvan. Il avait quoi? Lui, c'est une quiche, il avait rien. Il a rien sur le board. Il a que des unités level 1.
Il vient de passer 9-0 gold. Il a Action 2 et Urgot. Relou. Et lui, il avait Azir 2 et Urgot 2. Non, il avait Azir 2. J'ai vraiment pris l'enfer sur pas grand chose. Ah lui, il avait vraiment un board de clown. Je comprends pas comment... Enfin, il a des... Enfin, c'est pas lui, c'est l'autre, là. Lui, son board, il est... Il a rien level 2. Il a rien level 2. Et j'ai perdu contre lui. J'ai perdu contre lui au début de la phase. Oh non. Ouais, j'aurais pas dû mettre le... J'aurais pas dû mettre le Gangan sur Lux. Je pouvais attendre... Je pouvais probablement attendre une... Attendre de mettre un spell crit Hoge ou un truc comme ça. C'était mieux de mettre spell crit Hoge que de mettre le Gangan sur Lux. C'est une mauvaise idée, ça. Vu que Lux est censé être un de mes carries. Au pire, je mets Gangan sur Karma, quoi. J'avais un setup où je pouvais... J'ai eu tellement de karma aussi que j'aurais dû chercher karma 3. Plutôt qu'aller au niveau 9, j'aurais dû chercher karma 3 et voir s'il y avait un spot où je pouvais faire une légendaire 3. Enfin, une légendaire, une épique niveau 3. J'ai un peu raté ma game, là. Faut que je m'entraîne à transitionner aussi. Faut que je m'entraîne à roll un peu plus pour transitionner jusqu'à 0 au niveau 8. Chaque fois, il me reste 20 gold et j'arrive pas à faire ma transition à fond. On va essayer. Allez, on y croit ou on n'y croit pas, hein? Est-ce que vous... Allez, je vous lance une petite prédiction pour le top 1. Pour ceux qui veulent bet. Si vous avez envie de dépenser vos points de chaîne, est-ce que je vais top 1 ou non? Vous avez 2 petites minutes pour voter. Let's go. Ouais, j'ai fait quelques erreurs. Ce Gangan sur Lux était clairement démesuré. J'aurais dû mettre un item de tanking de plus sur Jarvan. Et du coup, j'avais un item radiant sur Lux pour faire plus de dégâts. Parce que je fais souvent... En fait, mes compos manquent souvent de dégâts. J'aurais dû mettre Zap si j'avais pu avoir un Zap. Aucune optimisation proposée dans cette partie. Moyen, c'est pas très drôle. La dernière manche est désormais une armurerie pleine de trésors. Ça peut me servir à mettre du stuff sur tout le monde. Mais j'aime pas trop l'idée d'aller chercher Palais du Seigneur de Guerre. Bon, vous êtes en forme, je vois que tout le monde a voté. Il y a eu des points sur le oui, personne pense que je vais pas faire top 8, c'est ça? Que je vais pas faire top 1? Aucune optimisation. Ok. Bon, bah là, c'est une game à l'ancienne. Il y aura pas d'optimisation dans cette partie. Il jouait quoi, hein? Donc ça, c'est une vieille... c'est une vieille game de TFT, ça. C'est-à-dire que là, il y aura pas de... Ils ont enlevé la phase de draft. On drafte pas les augmentations. Donc, on va jouer juste avec l'économie. Là, ça va être une game de gestion d'économie. Et de pilotage. Donc, sans optimisation, quels sont les meilleurs compos? On peut jouer Kayle Reroll, on peut jouer Canyonier Reroll. Gustave Jarvan, on peut jouer Demacia. Ah, j'avais un angle Piltover aussi. Jouer Demacia Incantateur. Je
aussi un angle avec Piltover, avec Vi. J'aime pas trop Vi. En fait, étant donné qu'on va pas avoir d'augmentation, on va pas avoir beaucoup d'écho. Donc je préfère prendre un angle... Je préfère prendre un angle où on peut jouer avec peu d'économie. Ok, j'ai deux kills de ça. On peut faire Protector Vaux sur lui. Et ça va être mon main tank. On pourra passer ça à Jarvan plus tard. On essaie de rajouter un Demacia. Push. C'est vrai que j'ai pas push, mais... J'aimerais bien qu'un de mes persos passe 2. C'est pas le bon. Oh, c'est pas le bon du tout. Oh, c'est pas lui que je voulais. Est-ce qu'on rentre une Talia 2 multimage? Essayer de gagner avec ça, mais... On jouerait une compo Demacia multimage. Ok, ça passe peut-être. Ouais, si on perd ça, c'est horrible. J'aurais dû peut-être faire de l'écho. Ok. Bon, j'ai Demacia et j'ai multimage. Je vais dire, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Salut Graoulus, bienvenue Gilgi. On rentre incantateur au prochain round. Ok, bon, ça va être mon plan. On n'a pas d'économie, mais on devrait gagner là. Donc multimage, ça permet au mage de caster plusieurs fois. Hein. Demacia, ça rajoute des items. Donc j'aimerais bien 5 Demacia. 5 Demacia et multimage. On va voir. Et peut-être 2 incantateurs. Targon sorcier. Ça donne spell crit, ça c'est Demacia. Faut prendre genre Soraka. Oraka ou Tariq? Tariq. Alors lui, il joue Bastion Incantateur, Noxus Colosse, Noxus, Combattant, rien, ok. J'ai rien qui veut upgrade, hein. De Kayle ou de lui. On peut faire un cantateur Targon. Si
je gagne, je peux vendre tout ça, passer à 10 gold pour avoir un plus 1 au niveau des intérêts. Salut Sangir. Ouais, je vais peut-être pas gagner. Il a push level 5, 0 gold. Non, on vend Tariq. Hein. Si je fais pas d'économie maintenant, je m'en sors jamais. J'arrive jamais à me soulever, quoi. Tout le monde joue avec très peu d'écho. On pourra probablement pas passer les levels, parce que sans upgrade, les levels coûtent trop cher. J'ai rien qui veut passer d'eux, c'est horrible. Bah j'attendais ça ou ça au niveau de... Là c'est vraiment abominable en fait. J'ai les deux Tariq. Alors, j'avais pas de bons items à Slam à part ça. J'ai pas d'item de dégâts. Mes unités passent pas deux. Ça commence à être dangereux. Et j'ai pas d'économie. Genre, tous les voyants sont au rouge, quoi. Dans cette partie, j'ai absolument tous les voyants au rouge. J'ai rien qui va. J'ai pas de board, pas d'item, pas d'écho. Est-ce qu'on est tous dans le même cas? Peut-être qu'on a l'habitude. Enfin. Peut-être qu'on a. On a juste. Peut-être qu'on est tous dans le même cas. Et qu'on a trop l'habitude des games avec des augments où ça se passe. Où ça se passe bien, quoi. On va voir ce qu'on ouvre. 30 gold. 20 gold. 0, 30, 20. On revend ces personnages-là. Si je revends pas, va falloir trouver des solutions. Une rédemption. Je pense qu'il faut que je me serve de ça pour faire un calice pour avoir des dégâts. Calice Talia. Je mets quoi? Je mets un Timo ici pour avoir multi-mage. 5 Demacia, 4 multi-mage. On joue peut-être pas ça. Mais... Un guard breaker. Je vais pas jouer un incantateur. J'ai pas d'item pour jouer un incantateur. Ah enfin. Enfin. Come on. Il a mis le temps lui. J'aimerais bien passer en 5 Demacia. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque Poppy que j'ai jamais vu. Et Jarvan. Je mets ça, je mets Jarvan. Ça me rajoute stratège. Jarvan Timo, ça fait stratège. Et je joue juste Soraka pour incantateur pour avoir un peu de heal. Après, si j'ai Poppy, je peux rentrer Tariq, ça me met... Mais j'ai... Tariq, ça rentre Targon.
je vais faire de l'économie, sinon. Je décollerai jamais, en fait. Si j'arrive pas à mettre de l'argent de côté, là, je décollerai jamais niveau économie. Je vais passer à 40, ça me fait 4 gold de plus. Je pense qu'on va s'arrêter de toute façon niveau 7, même peut-être niveau 6. Si je peux faire un passage à 6 en 5 Demacia, je pense que je vais le faire. Ah, étonnamment, on gagne là. Est-ce que tout le monde est faible en fait? Il est niveau 6, 30 gold. Niveau 6, 10 gold. Niveau 6, 50 gold. Niveau 6, 40 gold. 50, 40. Et moi je suis... Même pas niveau 6. Il a pris Jarvan. Je fais peut-être une backlane double calice et puis Cassio, Galio, Sora, Kalissandra et Taric. Le truc c'est que c'est aussi pas mal contest ça hein, comme comp. Wapi wapi wa. Ça me coûte 16 de passer d'un niveau. Je rentre quoi, Timo? Ah, oh, pas push, hein. Pour un Timo. En fait, on a tellement l'habitude de jouer avec des augmentes et des bonus. On se rend pas compte. J'ai l'impression d'être super faible. Mais en fait, tout le monde est un peu dans mon cas. Enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas de bonus, quoi. Ah, si je gagne avec mon petit move, je mets une ceinture sur le Galio pour qu'il tank un peu plus, mais... Ouais, ça fait pas gagner. Sona 3 avec Giant Slayer et des calices, c'est bon. Ouais, bah... On peut essayer. J'ai le 5 Demacia. Donc là, ça vaut le coup de push. En même temps, je viens de perdre. Et j'ai mon 5 Demacia. Alors, Noxus. Sorcier Demacia multimage. Donc lui, il vient me contest. Noxus. Shuma. Demacia. Demacia Targon. Bon, on est 4 dessus. On est 4 sur Demacia. Ça commence à faire beaucoup de monde. On est 4 dessus. Est-ce qu'il faut s'y accrocher? Est-ce que j'ai un plan B? J'ai pas l'impression d'avoir un plan B en fait. Tac, tac. Pas d'items de dégâts. Hein. Vous ne voulez pas me donner des items de dégâts. Est-ce qu'on passe en 7 pour rajouter quoi?
Incantateur. Parvan. Ok. J'ai un chêne aussi. Jarvan chêne. Ça change beaucoup la donne, ça. Ils sont un peu tous sur la compo. Hein. Ça me plaît pas trop de jouer une compo où tout le monde est dessus, quoi. Ah, ils ont peut-être switch. Je vais revendre cette Talia, je crois. Je crois qu'on va essayer d'arriver à ça. Hein. Ça au 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déjà Jarvan. On remplace Sona par Lux. Ah, j'aurais dû faire ça. On switch sur un Azir Lux. Parce que c'est pas Sona 1 qui va me carry. C'est pas Sona. On peut mettre une Claw peut-être sur Jarvan. Zap ou Claw quoi. Ah bah faut roll maintenant. J'aurais peut-être dû roll avant. Je pense qu'ils ont tous roll, ouais. Ils ont tous roll au 7 comme des déglingos. J'aurais dû roll. Ouais. Ça me fait zap ou GS. On veut ça. Absolument. Ça fait Ginzu du coup. Il manque à mon board. On vend ces deux. On vend ça pour Lux. On vend Talia pour Lux. Ça pour Taric. Ça dit quoi pour Taric ça? Roll encore un peu. Il me faudrait Lux 2, Azir 2 quoi dans l'idéal. Jarvan 2, Lux 2, Azir 2. Après on go next. Assez de dégâts là. Ah, il me manque mes persos niveau 2 je crois.
La même avec les persos niveau 2. Ouais. On essaie Garen 3. Je sais pas si ça sert à quelque chose d'avoir Garen 3. Salut Nops. Salut Chaco. Bon, on a Azir 2. On va lui mettre un troisième item et puis on voit. Si on est encore en vie dans deux tours. Si on est encore en vie après ce combat. One life. Ah, one life. Je pense pas qu'il soit essentiel. J'aurais pas dû le roll. J'aurais dû essayer d'avoir ces persos, surtout deux. One. One life. One life. One life, c'est pas zéro. C'est pas ouf, mais c'est pas zéro. Bon, il me faut un dernier item là. Un item de tank ou de dégâts pour ma pour Lux. Et YOLO. Ok. Bon. Ça va être dur de remonter, je crois. Il nous manque un Jarvan et un Shen pour essayer de stabiliser ça. Du coup, j'ai pas de front lane. Alors après, la Lux fait des dégâts maintenant, mais sans front lane, le truc, c'est que ça laisse pas assez de temps. Fin de partie, top 8. Je suis pas assez agressif sur mes rolls, j'arrive pas à roll plus. Ah ouais. J'ai pas très bien joué là. Ah, la game était dure. Je vais prendre un peu d'eau. Ah mais j'ai pas. Je comprenais pas pourquoi il faisait aussi chaud. J'ai pas activé mon ventilo, donc j'étais en train de mourir. Ouais. Bah j'ai raté. J'arrive pas à stabiliser en fait. Je pense que je chill un peu trop dans mes games là. Je chill un peu trop dans mes parties. Je vais prendre de l'eau et je reviens de suite. Salut Corny, salut Aitrix. Ouais, j'avais, en fait, j'étais en train de bouillonner quoi.
J'étais en train de bouillonner sans m'en apercevoir. J'arrivais pas à réfléchir. Je pense que c'était... Il fait juste très très chaud et j'avais pas le ventilo d'ouvert, donc... Il y a toujours ce petit souci quand je stream. Je m'aperçois que je fais des erreurs, je dis les choses, mais je le fais pas. C'est pas la première fois que ça m'arrive en vrai. Je dis ce que je dois faire, mais je vais pas au bout du truc. Du coup, je l'applique pas. On va essayer de faire des games propres. On va essayer d'être propre. Du coup, la réponse top 1, la réponse à la prédiction est bien entendu non. Retour en diamant 2. C'est vrai que... Donc ça améliore un objet. C'est vrai qu'il y en a qui se prennent pas la tête. Ils jouent Fraiseur de action toutes les games et c'est vrai que ça passe bien. On a eu un early assez fatigué. Ouais. Notre early, on a le Kayle ou ça qui est pas passé d'eux. Ils jouent tous ça. Hein. Non mais c'est assez relou. Hein. J'ai mal cliqué. Pour AK. Pour AK, Cassio. On veut faire de cette info. Est-ce qu'on prend? On peut avoir un Maokai 3 assez rapide aussi. On peut vraiment avoir un Maokai 3. On peut faire... Du coup, faut pas prendre la Poppy si on veut Maokai 3. On peut jouer un reroll... On peut tenter un reroll Tristana en vrai. Tristana reroll. Une game comme ça. Je peux avoir... Ouais, Tristana reroll. Hein. Là, je fais 10. J'ai pas vraiment d'objet à slam. Zephyr, c'est bof. J'ai pas d'objet à slam. Donc je vais sûrement sacrifier des PV sur la première phase. Et on essaie de jouer Tristana. C'est 6. J'ai envie de prendre la Tristana quand même. On gagne avec ça, je pense pas, non. Je pense pas que ça gagne.
quoique. Non, j'ai pas eu l'obscur. Ouais, je pense pas que ça gagne. Peut-être mettre l'arc dans tous les cas. Et je perds un gold. Donc je roll. Là, je suis assez strong en vrai. Là, je suis assez fort là en vrai. Le Maokai 3 va arriver à la vitesse de la lumière en vrai. On peut checker zone. 11. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lui, il joue quoi? Il joue Tristana Reroll? On est tout seul. Ce que j'aime bien avec Tristana Reroll, c'est que souvent, t'es tout seul. Donc, t'es en mode sécurité. C'est probablement la comp avec laquelle je fais le plus de résultats, celle-ci. Pas de Maokai. Salut Tris. Bienvenue à toi. Salut Graoulus. Bon bah on va jouer Tristana. Hein. En fait on a avec ce start, ce qui est bien c'est que tu peux jouer un peu toutes les compos. Soit tu fais un strong early board. Voilà, si j'arrive à pas perdre trop de points de vie alors que je suis en train de chill niveau économique. Pas mal. On peut checker le buff zone. Le porteur libère une peste virulente dès qu'il inflige des dégâts avec sa compétence. Les ennemis dans un rayon de 1 subissent des dégâts en plus. Stat 5, 6, 7. Bon, par contre, j'ai qu'une seule Tristana. Pour le moment. Peut-être le pire scénario, c'est ça. Jouer Tristana reroll et de ne pas trouver de Tristana. Mais bon. On a les autres champions. On a les autres champions. Il y a un gars qui joue Île Obscure. Lol, il a tout level 1. Lui, il est strong. Bof. Vu qu'il y a. Va falloir lui mettre une QSS à cette Tristana. Je pense que ça, c'est QSS. Quicksilver. Parce que. Il y a ça là qui va m'embêter. Il y a Eternal Winter. Il peut y avoir des Jarvan qui sautent aussi. Enfin, un bail que j'ai pas suivi de TST, c'est quoi les compos qui marchent? Il y en a plein. Il y en a plein des compos qui marchent, en vrai. Non, il y en a vraiment beaucoup des compos qui marchent. Budley. Donc, c'est... J'ai pas une réponse stricte. Tristana reroll, c'est assez sympa. Moi, c'est la compo avec laquelle j'ai le plus de résultats, en vrai. Le but, c'est que les Yordle, si t'as 3 persos, 3 étoiles,
Ton Yordle le plus puissant passe, passe niveau 4. Il gagne une compétence et il gagne des bonus en termes de dégâts. Donc... Ok. Ok. Une seule Tristana. Mais j'ai Maokai. Donc, le but de Tristana Reroll, c'est que tu mets une grosse, grosse fronte. Étant donné que tes persos seront niveau 3. Derrière, tu mets Tristana qui canarde de ouf. Et le but, c'est que si ta fronte tombe jamais, ton carry derrière ne tombe jamais. C'est l'idée, quoi. Là, j'ai acheté une augmente qui fait que je vais pouvoir roll. Pour pas cher. Zone. Prends ça. Il y a toujours les assassins. Ouais, il y a toujours les assassins. Il y a toujours des assassins. Ouais. Bon, j'ai Tristana 1. Cette game s'annonce très mauvaise. J'ai Tristana 1. Donc, j'ai pas de dégâts. En fait, le défaut, c'est que c'est Tristana qui est censé mettre les dégâts. Et Tristana 1, ça met pas grand-chose. Et en plus de ça, elle se fait one-shot à distance. Elle a pas assez de PV pour survivre, donc... On appelle une catastrophe. Donc là, je vais encore perdre tout ce stage et on va essayer de stabiliser au stage suivant. Il y a des assassins, mais ils fonctionnent différemment. C'est les rebelles. Les rebelles, quand ils tombent à 60% de PV, ils sautent dans les lignes arrière. J'ai roll un peu plus. J'ai roll un peu trop. Donc en fait, l'idée c'est que tu mets tes rebelles là et quand ils tombent bas en life, ils sautent derrière et ils tapent les carry. Ah, je vais tellement crever dans cette game, je crois. Je vais juste mourir en fait. Si j'ai pas ma Tristana 2, je vais juste crever. J'aurais peut-être dû roll juste pour Tristana 2 pour éviter de prendre des millions de dégâts ce tour-ci. Enfin, ce stage là. Je vais prendre. Pourquoi j'ai pas roll au Krugs? Je vous laisse le roll pendant la phase 3 en fait. Et vu que j'avais Maokai. Vu que j'avais Maokai, je me suis dit que... Je me suis dit que c'était good. J'avais Maokai 3, je me suis dit que ça allait tenir, au moins tenir. C'est vrai que j'aurais du roll la triste.
Là déjà, je vais tuer un peu plus de champions. Ça m'étonnerait que je gagne, mais au moins elle va tuer un peu plus de monde, quoi. Le truc, c'est que ça sert à rien d'avoir une front lane si derrière t'as pas de dégâts. Je vais être à 20 PV, quoi. 20 PV au Wolf. Elles arrivent. Les Tristana, elles arrivent. Non mais ça, après ça, c'est normal, c'est ma phase de moule. 20 PV au level 5 au Wolf, une bonne game comme on les aime. Ouais bah c'est... Attends, je vais peut-être... Je vais pas gagner. Après, ça remonte. Voilà, 24 PV. 24 PV, c'est cool. Salut Ben Lucien. On va y arriver. J'espère. Diego. Oh, j'aurais pas Viego 3, je crois. Le moment où faut bouger vite. Au pire. Tristana, touche ça, main IE. Là on est beaucoup plus fort. Là on est beaucoup plus fort. On a Tristana 4, donc elle a 1800 HP, elle a 3 items. Et là normalement si on regarde le tableau de dégâts, ça va commencer à faire des trous dans les lignes adverses. Voilà, 2002, 2008, 3000, 3003, voilà, il n'y a plus de team. Fallait arriver à ce niveau-là. Maintenant, à partir de maintenant, faut s'adapter à nouveau. À partir de maintenant, faut savoir. En vrai, j'aimerais bien Timo 3. Les compétences de vos unités peuvent infliger des coups critiques. Il me faudrait une augmente de régène. Chaque fois qu'une de vos unités meurt, les autres unités gagnent 10% de leur PV max. Il ne faudrait pas qu'elles se fassent one shot. Emblème de bastion et un cassadin. Je peux aussi push 4 bastions. Ouais, 4 bastions, c'est solide. Et du coup, elle va pas avoir de régène. Après, on peut se dire que du coup, on va bien la placer. Lol. J'ai 4 bastions, donc eux, ils ont beaucoup d'armure. Ouais, elle a pas de régène. Faut qu'elle découpe les ennemis, parce que sinon, sinon, y a pas assez. C'est bien. Ok, on est niveau 7. Ok, ça c'est huge. Rajoute beaucoup de points de dégâts Jinx 2. Ah mais lui il sert à rien en fait. Lui il sert pas à grand chose. Il rajoute il obscur à ça. Hein. À peu près tout.
On a un Jarvan. À quel moment on rentre juste Demacia? Peut-être un moment on rentrera juste Demacia. Il y a une strat pirate. Ouais, il y a l'équivalent des pirates. Mais c'est pas ouf. Voilà, là on découpe. Ça s'appelle Piltover, t'as un espèce de dino magique. Piltover, t'as un dino et ton dino te rapporte des gold. Enfin, quand tu perds des combats, il prend des stacks. Et quand tu gagnes des combats, il transcrit ses stacks en gold et tu peux le revendre. Mais le plus difficile, c'est que les unités Piltover sont assez mauvaises, donc tu gagnes pas avec. Le plus dur, c'est de gagner avec. Gozeri 3, j'ai checké le zone n'est pas bon. Il y a combien de coups critiques? 100% de coups critiques? On lui met. USS Radiant. Allez. Allez, petite Tristana. I know you can do it. Ah, ça fait quand même des trous hein, dans les lignes là. Donc là, l'idée c'est d'arriver à passer niveau 8. Salut Magic 174. On peut rentrer un Jarvan. Jarvan, ça me rentre stratège. Ça donne un peu de. Ça rend stratège, ça enlève île obscure à ce Maokai. Il me faut 56 gold pour passer de niveau. Je suis impressionné. Là, c'est énervé. D'habitude, les Tristana n'ont pas autant de stéroïdes. Bah si. Quand tu réussis ta transition, ça donne ça normalement. Là, on aimerait bien Emerdinger à la place de ça. La QSS Radiante, ça aide beaucoup, hein. Ça l'immunise au crowd control pendant 30 secondes, donc pendant à peu près tout le combat. Donc elle peut pas se faire contrôler, elle prend pas les comment ça s'appelle, les réductions de vitesse d'attaque et tout. Et on peut rentrer ce Jarvan. On peut faire Titan sur Maokai. Je sais pas si c'est ouf. Titan sur Maokai. PK ici. On push. Grand Jarvan. Ah, on peut rentrer Shen à la place de Kassadin. On gagne, on vend ça et on achète Shen, je pense. Wow. Là, elle a pris des points quand même. Mais elle a pas pris le. Ça marche pas. Elle a pas pris le debuff de Freljord, par exemple, là. Tu vois, Freljord qui envoie un petit stun.
Préjord qu'envoie un petit stun, normalement ça l'aurait ralenti. Et là avec la QSS ça l'a pas ralenti. Wow, lui il est fort. Bon, on l'a pas tapé. Ok. On est encore en course là. Ouais, le Taric est tombé avant de caster, le Jarvan a casté, ça nous donne un peu de temps. Allez, faut taper la Karma. Ouais, la Karma est tombée, Soraka est tombée. Wouh! Allez, ça remonte, c'est la remontada! C'est la remontada! On aimerait bien Jarvan 2 en vrai, hein. Jarvan 2 ou Shen 2. On pourrait faire comme ça. Hein. Ah, c'est peut-être Teemo. Lui, il est fort, lui. Lui, il est fort aussi. Ouais. Sauf que la Sejuani avec son manteau pour ralentir ma vitesse d'attaque, ça marche pas du tout. J'ai une QSS radiante. Le fait d'avoir fait QSS radiante, c'est vraiment ouf quoi. Parce que, en fait, dans beaucoup de games, il faut jouer QSS avec Tristana. Là, le Heimer est vraiment huge. Bon, il est parti. Qu'est-ce qu'on veut ? Une cape solaire. On va mettre ça sur Jarvan. Il va réduire les soins. Fait qu'on n'a pas d'anti-heal. Ça sert vraiment à rien, ça. Il faudrait trouver... Il nous manque... À la place de ce Viego de la mort, là, il faudrait mettre Senna. Aïe, 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 aïe. C'est chaud, vas-y Tristana. Bon, c'est chaud. Ah lui il était énervé lui. Il doit être en quoi ? 8 challenger, ça tapait fort et vite. Est-ce qu'on met la tourelle devant pour avoir un peu plus de front lane ? Ou est-ce qu'on roll ? Ah, le placement est approximatif, mais... Lui, on devrait le battre. Il a pas grand-chose. Il a pas assez de dégâts, en fait. Il a que un carry qui fait des dégâts. Il a Azir 1. Et ses tanks peuvent pas tanker ce qu'on propose. Il nous faudrait vraiment remplacer ce Viego de la mort, là. On a un perso level. On a un perso level 1, 2 étoiles. Bah, je me demande même si c'est pas mieux de mettre Demacia quoi. Ou ça. Ne serait-ce que ça, c'est mieux. Ça c'est mieux. C'est le top 4. Là, pour l'instant, c'est la remontada, ouais.
C'est la remontada. On aimerait bien trouver un deuxième Jarvan. Ok, on a Jarvan 2. Bon bah, on va pas demander plus. On a Gangan sur Poppy. Bon, on va mettre ça. YOLO. Lui, il est plutôt fort. Mais est-ce qu'on est plus fort? Ah non. Non, on n'est pas plus fort. Quoique. Voilà, ça fait fondre Tristana. Oh, Jarvan qui a sauté, qui a stun. Oh, oh. Ouais, il est pas plus fort. Il est pas plus fort. Il est mort d'ailleurs. Let's go. Bon. Il nous faudrait une Senna. Ok. Bon, on n'a pas de Senna. Je vais contre lui. Ah, lui, il nous a déboîté tout à l'heure. Lui, ça va vite. Lui, ça va plutôt vite. Ah, lui, il va nous faire mal, lui. Faut tuer Belvet. Et ça, très très vite. Ok, ça tank. La Belvette tombe. La Belvette est tombée. Ok, on l'a peut-être. Peut-être. Ah, elle a pas de régène. Elle a pas de régène, ma Tristana. Ouais, c'était le petit défaut, quoi. Elle a pas de régène, donc quand elle se fait taper dessus... Oh non. Gwen 2... J'attendrais que ça change grand chose, ça. Ah, il n'a pas eu de Senna. Ok. Au moins, on le bat, lui. C'est Juani. Juani 3. En vrai, pas grave, je pense. J'aurais pu mieux me placer, mais ça, normalement, ça me stun pas. On peut la tomber. On peut la tomber, hein. Si on bat ses Juani 3, on est bien. Bon, par contre... ma Tristana, elle était un peu solo. Top 3. Oh, c'est pris, hein. C'est pris. Top 3, c'est mieux que tout à l'heure. Bon, ils avaient des gros setups. Lui, avec ses Juani 3, je pense qu'il gagne, non? Il n'y a pas de QSS. Ah, je pense que ses Juani 3, c'est quand même une épique 3 étoiles, quoi. Il essaie de faire Nasus 3 aussi. Nasus 3, ses Juani 3. Il n'y a pas grand-chose sur le board, quand même. Vas-y, on regarde le fight juste pour voir. Mais je pense que ses Juani 3 avec ce stuff... Je pense pas que le 8 Challenger peut battre ça, mais... Parce que les challengers... Ah, il y a Kai'Sa 3. Ah, ok. Normalement, les challengers sont basés sur la vitesse d'attaque. Et s'ils attaquent... Il n'y a plus rien, en fait. Il y a Nasus 3 contre Kai'Sa 3. Mais Kai'Sa est à distance. Nasus est au corps à corps. Fin de partie. Kai'Sa 3, fin de partie. Ils avaient des gros setups. Franchement, je pense que c'était dur à battre. Leur setup de fin de game était quand même assez, assez solide, en vrai. Diamant 2, 93 LP. On va repasser Diamant 1, peut-être. Je fais une petite pause de 30 secondes. Je vais aux toilettes et je relance un match. À de suite.
Salut, j'arrive justement au moment de la pause. Ouais, c'est juste histoire de... Je bois beaucoup, et Lao Tzu a dit un jour... si tu pisses beaucoup, c'est que tu bois beaucoup. Donc, dans l'autre sens, ça marche aussi. En tout cas, bienvenue à tous les Dragonitos. Bienvenue à vous. J'espère que les Dragonitos, les TFT, les tacticiens Dragonitos, j'espère que vous allez bien. Ce rush, voilà, je patine un peu en diamant 1, là, diamant 2, diamant 1, sur ce rush. Je me demande s'il faudrait pas que je spam juste Tristana. En fait, j'essaie souvent de faire des compos un peu flexibles et tout. Là où spammer Tristana, ça peut être un bon moyen pour moi de passer le level. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Si vous êtes sur le stream et que vous découvrez le stream, n'hésitez pas à lâcher un petit follow. Vous avez le lien de mes réseaux dans le chat, point d'exclamation R. Et je fais principalement du MTG. Donc j'ai gardé mon programme de stream Magic the Gathering le soir de 18 à 22, 23 heures. Et je continue et je tente de percer à TFT. Donc, il a l'air bien ce jeu. Il est très bien. Si vous aimez Magic et si vous aimez le draft, vous allez kiffer TFT. Après, je vous mets en garde. Ça a ce petit côté addictif. Ce qui est bien, ça a des particularités avec Magic. Toutes les games sont différentes. C'est-à-dire que même si tu veux essayer de faire la même composition à chaque fois sur le board, bah, tu vas pas, il va toujours y avoir des effets différents. Donc toutes les games sont différentes. 2, il faut lire beaucoup. C'est-à-dire un peu comme Magic. C'est pas si difficile de jouer une game, mais de bien jouer une game, c'est beaucoup plus... Voilà, c'est plus tendu, quoi. Faut lire beaucoup. Et donc, à terme, faut aussi beaucoup connaître les... à la fois les maps, à la fois les champions. T'es pas obligé de tout connaître, mais si tu lis, ça va t'aider à... Ça va t'aider à avancer, quoi. Et comme je le dis, vous avez quelques tutos sur YouTube. Si vous voulez suivre un tuto pour découvrir le jeu, vous avez quelques tutos sur YouTube que vous pouvez suivre. Donc là, on est sur une map. Lors de la phase de draft, tous les champions ont deux composants au lieu d'un. Donc on va avoir plus de composants que la normale. On va regarder les légendes. Il joue... Waouh, il y a 4 Aurélion Sol et 2 Horn dans ce lobby. Ce qui veut dire qu'il y a des joueurs qui ont un style de jeu plutôt « je passe les levels et j'avance » et il y en a deux qui veulent nous tataner dessus. Moi, j'ai un style de jeu early. Normalement, je suis censé mettre des baffes à tous les joueurs qui veulent passer les levels. Ok. Renekton se présente à la fête. Renekton se présente à la fête. Shiruma combattant. Si je peux avoir Renekton 3 étoiles très tôt dans la partie, ça fera une très bonne front lane pour une composition Shiruma. Parce que la composition Shiruma, les unités régénèrent des PV par rapport à leur PV max. Donc, plutôt bueno. On peut peut-être jouer une game combattant. Sinon, on a un début de game canoniste. Le jeu a dit Crocodile Gaming. Mais tu peux aussi le revendre. Tu peux aussi le prendre, le vendre et jouer à autre chose. Mais j'ai tendance à jouer ce que le jeu m'offre. J'ai tendance à essayer de jouer ce que le jeu m'a donné. Surtout avec Caitlyn, tu peux avoir des gros early. Premier champion 1 que vous achetez passe 2. Je crois que c'est ça tous les jours. Alors j'aimerais bien un croco. Vous avez compris la méthode. Là, j'aimerais bien acheter un croco en fait.
Est-ce qu'on roll pour un croco? Je peux attendre un tour aussi. Attendre un tour. Je vais vendre ça. Je vais roll un croco. On a une IE. Auto pour roll. Là, non, parce que j'aimerais bien... En fait, la comment on dit, la proba d'avoir un level 1 est à 75%. Au prochain niveau, je serai à 4 sur 6 en XP. Je serai encore niveau 3. Donc j'aurai encore 75%. Par contre, au niveau d'après, j'aurai moins de pourcentage. Là, ça me coûte pas de palier. J'ai juste lâché 2 gold. Enfin, 4 gold avec la Thalia. Ça me coûte pas de palier, donc c'est ok. Là, déjà, c'est moins drôle. Ah, come on. Ah, ça coûtait un peu cher. J'aurais acheté H. Là, je vais revendre Shogat et ça. En fait, je veux quand même garder mon palier de 10 gold, je pense. Et si je gagne, je revends que Maokai. Faut quand même que je fasse pas l'erreur de plomber toute mon écho juste pour un croco, quoi. Donc là, j'ai gagné, je fais 10. Et à partir de maintenant, je vais économiser. En essayant de trouver deux petits crocos et de trouver le troisième Shiruma. On en a une de hache. Donc il me faudrait un... On va jouer au moins en 5 Shuruma. Je peux rentrer un Shogat pour avoir combattant. Mais je pense que de lui, c'est mieux, non? On peut faire l'âme d'infini. On pourra faire peut-être rédemption sur lui, s'il le faut. Donc là, il tank déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Et avec Shiruma, ils ont de la régène. On perd contre quoi, là? Parce qu'on a quand même du monde. Alors, il n'y a pas d'Akshan. Une IE. On peut essayer de jouer Akshan, hein. Le truc, c'est que j'ai pas de porteur du stuff. Sinon, je pose H pour équiper le stuff. Je peux faire IE. Ça permettrait de tuer des unités, quoi. J'aurais pu poser Tristana à la place. Ah, du coup c'est Thalia qui prend le buff. Okay. Parce que tant que j'ai pas 5 Shurima,
C'est mon Shurima le plus fort qui ascend. Je devrais mettre la tire sur Renekton si je veux que Renekton... si je veux que ce soit Renekton qui devienne plus fort, je devrais mettre la tire sur lui. Je peux vendre tout ça. Acheter Talia, vendre H. Je peux ne pas acheter Talia. Ah, probablement pas Talia mon carry, mais... C'est pas Talia qui va faire les dégâts, quoi. Il est plutôt fort. Oh, il veut pas venir, hein, ce croco. Il nous en manque un. Il nous en manque un. Lui, il joue Tristana. Ouais, viser. On va voir où ça nous mène. Lui, il joue Yonia Challenger. Lui, il joue Level Up. Lui, il joue Butin de Guerre. Dévouement. Lui, il va jouer Void. Il roll Tristana. On a une Hoge. On essaie de le trouver, je pense. Trouver. On peut faire Hoge GS pour lui. C'est pas forcément bien. Faire QSS. Bon, là, on est un peu plus fort avec Renekton. On l'a quand même eu assez tôt. Ouais, là, il est beaucoup plus solide, bizarrement. C'est pas encore un Taric, mais c'est beaucoup plus solide. Et il faudrait qu'on passe en 5 Shiruma. On veut des items. Ça peut être sympa, des items. Ça permettrait d'avoir un stuff de fou sur mon Akshan. Ça me permettrait d'avoir... En Shiruma, c'est fort, ça. Ça donne beaucoup de points de vie, et du coup, vu qu'il régène des points de vie... Ça me permet d'avoir plus de chiens. c'est horrible. Un, deux, trois, quatre. Je dois peut-être les craquer maintenant. Ah, il tient bien, hein, ce Renekton, là. Là, il est solide, là. Il a tenu longtemps. Ok, on a gagné. Oups. Emblème d'incantateur. Thank you.
Emblème d'incantateur. Alright. Bon, bah, on va jouer des incantateurs. Tu veux que je te dise, moi? On va incanter, hein. On peut être en 6 incantateurs, là, déjà. Donc 6 incantateurs, ça donne quoi? 20 pour toute l'équipe, 15 de plus pour les incantateurs. Faut juste que je push ça, et je suis en 6 incantateurs. Du coup, si on fait Shuruma incantateur... Akshan, c'est bof. Azir, c'est fort. Azir incanteur, je pense que c'est pas mal. Azir incantateur, je pense qu'on arrive à un truc. J'ai une IE. Je peux prendre Nasus. Je sais pas ce que ça vaut, Nasus incantateur. On a eu deux spots incantateurs, on peut pas ne pas jouer incantateur en fait. On va aller vers Ryze qui va nous faire des tempêtes de fou sur cette map. Et 36 de level up, on va essayer. On fait les 6. Non, ça fait Freljord. Ok. Ça fait Freljord. Ah, une Hoge. Oh, qu'est-ce qu'on fait avec notre Renekton surhumain incantateur Freljord? Franchement, c'est un peu chelou. Je sais pas vraiment où je vais là. Là, je suis en... un peu en zone inconnue là. Ok. On peut passer en 5 Shiruma. Est-ce qu'on peut passer en 5 Shiruma en gardant les incantateurs? Cinq Shiruma, cinq incantateurs. J'ai pas envie de me débarrasser de ce Renekton, donc je préfère lui donner la spat incantateur. Je gagne ça. En vrai, Talia, elle fait beaucoup de crowd control. Donc ça gère bien le board. Et que je passe en... Du coup... Azir incantateur, c'est peut-être pas mal aussi. Non, on joue pas Akshan. Je suis en 6 Shiruma. On peut faire le 7. Le 7, ça nous fait jouer des unités un peu pourries. Ah, je pense qu'il faut jouer 6 incantateurs dans cette game. Je vais mettre ça dessus.
On a un Renekton très très tanky en front. Je pense qu'il faut lui, donner... faut qu'il incante plus souvent, quoi. Daniel Limmer, la Lille plus proche gagne 300 PV. Un champion de palier 5 aléatoire. YOLO. Ah, Senna, incantateur. Mettre Hoche sur lui. Il manque un incantateur et on peut rester en 3 Shuruma. Je peux rester en 5. Il va falloir que je level là. Je pense qu'il faut que, je level up. J'ai pas fait Azir incantateur. J'ai pas les pires items. Peut-être que je joue pas Shiruma en fait. Là j'ai mes 6 incantateurs, il faudrait juste Ionia en plus. Plus Shiruma. Là j'ai Shiruma. Elle est un peu nulle celle-là. Non, j'enlève. J'enlève Soraka. J'enlève Soraka, je mets Karma. Et j'enlève Senna, je mets Harry. Je pense qu'il faut rester en 6. Faut voir ce qu'on met. Ryze, ça rentre bien. Ryze, Harry, il rentre très bien dans ma compo. En vrai, Ryze. Hein. Peut-être lui les bastions. Non, c'est peut-être Azir hein, qu'on Kaltos et on met. On met Ryze. Peut-être qu'Azir il est sauce. Juste ça pour tenir. Si c'est bien ça. Mettre le Zephyr un peu tard, mais. Je sais pas ce qu'elle vaut ma compo. J'ai 7 incantateurs, mais j'ai pas de dégâts, je pense. Je peux cutter elle. Faudrait que je mette une Harry à la place du. Faut que je mette une Harry à la place du Yasuo.
En attendant, on va garder Yasuo, hein. On peut vendre. J'ai toujours une Senna qui fait pas grand chose, mais... Ah, il manque une Harry pour faire des dégâts en fait. Ouais. Et je vais mourir. Ça va pas passer du coup. Bah lui il a reroll Kayle. Lui il a reroll Void. L'autre il a reroll Tristana. Et moi je suis dans la sauce. Ryze, il fait une tornade, il fait des dégâts. Il faut qu'il caste. Peut-être qu'on vend ce Renekton qui sert plus. Et c'est peut-être le bait, c'est peut-être de garder ce Renekton en fait. On met Harry incantateur et on essaie d'avoir une fronde Targon. On trouve Harry. Faudrait... J'ai toujours un incantateur de trop. Là, j'ai pas trouvé Harry. On est mort là. 14 HP. Ouais, tout pile. J'ai pas trouvé Harry. Pas trouvé Harry. Ouais, mais j'ai pas réussi à setup mon esprit là. J'avais un incantateur de trop à chaque fois. Lui, il avait deux Harry, Ryze 2. Ouais, bon, lui il est imbutable lui. Il a que des légendaires 2. Il avait une Harry, une Senna, deux Harry. Ouais, ok, c'est un peu normal. Ils étaient tous sur Harry. J'ai pas pris le temps de regarder. C'est impossible qu'on ait une Harry. Lui en garde une sur son banc. Il y avait déjà 6 Harry sur 11 de sortie du coup. Il me fallait quoi? Il me fallait Heimerdinger. Il me fallait un légendaire quoi. Je me suis peut-être attaché trop au Renekton. Avec mon Renekton tankait rien du tout, j'avais pas les items. J'ai fait mes items trop tôt, j'ai fait des mauvais items trop tôt, je pense. Ah, elles sont dures ces parties en vrai. Ryze full item a rien fait aussi. J'ai vu que Ryze... Bon, Ginzu c'est pas ouf. Mais c'est vrai que Ryze a vraiment rien fait. Après, Ryze qui fait la tornade, c'est pas ouf en vrai. Le Ryze Shurima, il est pas foufou. Du coup, vu qu'on pouvait pas avoir Harry dans cette game, parce qu'il y en avait... Lui, il en avait deux. Lui, il en avait une. Vu qu'on pouvait pas avoir Harry, il fallait probablement roll Karma, quoi. Mais je l'ai vu trop tard, ouais. Je l'ai vu trop tard. On a des games difficiles, ouais. Aujourd'hui... J'arrive pas à... Je suis trop dans le rush lors des parties. J'arrive pas à me poser et j'arrive pas à savoir ce que je veux faire en fait. Généralement c'est entre... Il y a des moments où faut que tu saches où tu vas. Et quand tu sais pas où tu vas à TFT, tu fais comme ça, tu paniques, tu fais n'importe quoi.
Et là aujourd'hui, j'arrive pas à poser ma tête quoi. Donc on va essayer de jouer calme. Je vais essayer de vous expliquer pas à pas quel est mon plan de jouer plus calmement. Et de vous envoyer les meilleurs games de TFT. Bref, on va jouer Tristana Reroll. Ouais, je me suis attaché. Ça fait deux fois où je fais un Renekton. Mais c'est vrai que ce Renekton a tardé à venir. J'aurais peut-être dû dépenser tous mes golds en early. Pour vraiment être méchant, quoi. Ou alors, je monte sur une compo qui est forte au 7. On a là. Au début de chaque phase, vous gagnez un champion adapté à votre équipe. Like it. Des hexagones octroient des objets à vos unités. Chaque fois qu'un joueur meurt, prenez un de ces objets. Ça peut être cool pour jouer hyper agressif. Cimetière de Yorick, je joue souvent hyper agressif sur cette map. Parce que tu sais que si tes adversaires meurent, et bah tu te mets bien quoi. Ok. Bon bah faut jouer agressif. Okay. Donc quand une unité meurt, on prend ses objets. Il y a une autre Caitlyn, deux Poro, trois joueurs de Horn et un Aurélion Sol en légende. On peut faire avec ça. Hein. Tu les prends définitivement, ouais. Tu choisis parmi les objets qu'il avait et t'en prends un et tu le mets sur ton board. Donc globalement, si tu meurs pas en premier, si t'es pas le dindon de la farce, t'es bien quoi. J'ai Kayle 2. Qui a bourreau Demacia. J'ai 2 Demacia sur 3. Lui il est incantateur et je peux jouer Cassio. Donc là j'ai un board assez simple. Soit en 2 incantateurs et je rentre bourreau, soit en bourreau. On va essayer de jouer avec... Ça lui donne 12% d'omnivampirisme, donc de régène. Et il fait 5% de dégâts en plus contre les PV, contre les joueurs qui ont moins de 60% de leur point de vie. Cap solaire, toutes les 2 secondes ça applique des brûlures et de l'hémorragie. Et le début d'une Ginzu. On essaie de faire Kayle 3 et YOLO. Oh, c'est une game Kayle 3 YOLO. J'ai mis la cape solaire parce qu'on veut perdre le moins de points de vie possible. On va probablement pas gagner celle-là. Kayle 3 et on monte les levels. Kayle, elle a des meilleures comps quand elle est au niveau 6 et au niveau 9. Donc, l'idée, si on a Kayle 3 très rapidement, derrière, on peut juste monter en niveau. Ça, il faut ouvrir des Kayle. Je
pense qu'on va pas pourrir l'économie. Si je vends tout ça, j'ai... Je vends tout ça, j'ai 20. Alors j'ai dit, faut pas perdre trop d'HP, oui. Mais... mais là j'ai une bonne écho du coup. C'est pas grave. En fait c'est pas grave de pas avoir de points de vie quand on a de l'écho. Là de toute façon, je pense que mes adversaires sont un peu trop forts. Je peux pas gagner. J'aurais Demacia comme, comme plan, ça marcherait, mais je peux pas. Donc, mes shops sont moches. Donc on chill. On chill. Je crois que c'est pas plus de 90. Ça, ça me donne des Demacia. Pas trop, c'est pas plus de 99. Exactement, tu as le droit de perdre 99 HP. Tant que t'es à 1, c'est bon. C'est un Kaid reroll. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça m'étonnerait. Il y en a pas d'autres. Est-ce qu'on tue des unités là? Ce serait bien de lui tuer quand même quelques unités. Genre 2. Il tanque bien lui. Il est sérieux? Il avait pas envie de mourir. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une Ginzu. Ginzu c'est ça. Ok, on a la Ginzu. Tu tues rien, ça va faire mal. Ouais, bah c'est, ça va le faire, ça va le faire, ce point-là. À le faire. Si on peut, du coup, vu qu'on a commencé à perdre, si on peut perdre toutes les premières rondes, ça nous donnerait un bonus économique assez consistant. Bon, le truc c'est que je sais pas du tout jouer Kayle. Je sais qu'il faut mettre, je sais plus ce qu'il faut mettre en fait. Je sais qu'il faut mettre... Ouais, il faut Kayle en carry derrière. Et devant, je crois qu'il faut mettre que des bastions. Ou faut mettre une grosse front lane de bastions. Ou alors que des bourreaux. S'il y a des joueurs de TFT qui veulent m'aider, là, j'accepte. Hein. J'accepte votre aide avec plaisir. On met quoi avec Kayle? Ok, on a Kayle 3, mais après... Goal. Et des bastions. On peut jouer avec Jarvan en 5 Demacia. Ah, et donne-moi des Kayle hein, surtout. Yeah. Juste aucun perso. On a juste aucun perso needed. Je peux revendre... Si je gagne, je revends ça. Si je perds, je revends Garen. Je vais gagner, non? Pas sûr. Si je perds, je vais pas perdre beaucoup. Okay. Si j'ai perdu beaucoup. Bon, on est à 62.
qui est très très bas. J'ai 40 gold. 30. 20, 20. Bon, j'ai pas mal de thunas. Mais il va falloir qu'il me donne une Kayle en vrai. J'ai un clé de bourreau. Sinon, on joue Kayle et on joue full, full bourreau. Sinon, on met que des bourreaux. Les bourreaux, ça donne... et ça fait beaucoup de dégâts. On peut essayer comme ça. Kayle. J'ai un GS. Contre Jarvan, Poppy, Aatrox. Deuxième ligne, Kled, Gwen, Heimer, Kayle. Jarvan, Poppy, Aatrox. Vous me donnez une Kayle, s'il vous plaît. Quand même. Jarvan, Poppy, Aatrox. C'est possible. Jarvan, Poppy, Aatrox. Jarvan, Poppy, Aatrox. Moi j'applique, hein. Tu me dis ça, j'applique. On va mettre des bastions en fait, hein. Tu joues avec une appli? Non, non, non. Je joue sans appli. Je joue au naturel, Graolus. Je joue au naturel. Bon, on va y aller. Pire. Fait bastion. Faudrait un démacien. Bastion. On va essayer d'avancer. On a Kayle 3 qui doit envoyer quand même un peu plus de dégâts, mais la question c'est à quel point la front tient. La compo de chien sans un dalmatien. Non, non. Ok, j'ai mis deux bastions. Pour l'instant, j'ai mis deux bastions, Demacia. J'ai lui deux. Ça, c'est trois bastions du coup avec elle. Si on veut quatre bastions. On rajoute Poppy, mais Poppy est 1. On pourra rajouter Poppy et... Ouais, du coup, c'est plus une compo reroll où tu reroll Poppy et Kled, quoi. Là, on va pas jouer une compo reroll. On va essayer d'avancer avec Kayle. Sachant que notre objectif, c'est le niveau 9. Bah, au cas où on l'aura pas. La proba d'avoir des one cost est de 25%. Là, on passe à autre chose, là. Dans ce setup, j'aime bien mettre Taric en deuxième lane. Pour que ce soit pas lui qui prenne l'aggro. On peut reculer Taric d'une lane, ouais. Right. Des fois, je le fais, ouais. On a lui qui est Bastion.
Bastion incantateur. On a Gwen. On prend le bastion pour avoir le 4 bastions. 1, 2, 3, 4. On garde peut-être le Galio tant qu'il est 2. Du coup, on cut L. On avance, hein. Le but, c'est on avance niveau 9 et puis YOLO. Coûte cher. C'est mieux ça. C'est mieux ça. Je peux faire un gangan. Ou alors c'est mon stuff pour une Lux ou une Gwen. J'ai enlevé Bourreau, donc elle a plus de régène. Par contre, Mikhail. Donc, faut vraiment qu'elle découpe là. Bien joué. Bien. Ouais. 3, 3 et 2. Et 3, 3 et 2, ça fait 8. Kayle Fast 9, Maokai Tariq, Shen Katsadin, Kassante, Jarva. Ouais, mais c'est trop loin. C'est trop loin ça. Ah, il faut savoir flex aussi. Savoir flex. Ça me coûterait 32 gold. Il me resterait 20 gold. Rentrer Kled. Et on fout. En fait, si je gagne, j'ai un intérêt. Ça me sauve des points de vie. Je pense que c'est important de... On va mettre Gangan sur Kled aussi. Après avoir fait ce move, faudrait sûrement le faire. Sachant que plus ils sont bas et plus ils meurent. Bon. Plus ils sont bas et plus ils meurent, plus on a d'items. Faut garder ça en tête. C'est pas grave de sacrifier un peu d'écho. Il y a des gens qui meurent, on aura des items. Et Gwen, ça rentre Bourreau. Ok, on a Gwen. On a Gwen et ça. Pour rentrer plus de Bourreau. Ah, Poppy, c'est Demacia. Ah, je peux pas enlever Poppy. Je peux pas enlever la Poppy. Enlever Poppy 1. Ouais, c'est chaud. Zeker. Je peux pas enlever Poppy 1, quoi. Chaud. J'aimerais bien rentrer Gwen, mais... Faire Gangan. Gangan, peut-être... Je pense que le plus important, c'est que j'arrive niveau 9. Donc j'ai slamé mon Gangan, histoire d'être sûr de... De pouvoir avancer. Arrête-toi, Darius. Arrêtez-vous, monsieur. Et là, j'ai une bonne écho et j'envoie des patates. On part du principe que level up te permet de garder la streak pendant 2 rounds. Tu perds pas d'écho. Alors si, mais je comprends ce que tu veux dire. Plus de dégâts d'attaque. Plus de tankiness.
Un emblème de bourreau. Ça fait plus de dégâts. Vas-y, go. Je sais pas à qui je donne ça, mais... 36. On push. Faut survivre, c'est tout, hein. Nous sommes des animaux. Et maintenant, faut économiser 84 gold. J'ai un board level 1. Mais une Kayle 3. Une Kayle 3. Ok. Il me faut Jarvan à la place de Galio, c'est ça? Je vais mettre ça là. On est en train d'avancer, on a rien. On a tellement Z. On a tellement nada. Je vais mettre l'arc. On a tellement rien du tout. Animal Gaming. Bah là, faut monter... en fait, pour libérer ma Kayle et qu'elle fasse tous ses dégâts, faut monter niveau 9. Donc là, je veux juste pas mourir, en fait. Là, c'est globalement la phase où je peux prendre le plus de points de dégâts. Si je gagne, c'est ouf, parce que ça va me permettre de monter niveau 9 plus vite. Et niveau 9, on s'adaptera, on mettra des légendaires. Ah, tant que ça marche, on y va. Hein. 4 bourreaux, 4 bastions. Faudra bien qu'on se débarrasse de Poppy à un moment donné, mais... Qu'est-ce qu'on peut rajouter, là? On a déjà tout. On peut prévoir un truc avec un arc. Statique? Un statique? Statique sur Kled au pire. Avec un arc. On peut faire une Titan sur Gwen. Statique pour avoir un peu de réduction. Statique, ça réduit la résistance magique. Et je crois que lui, il tape en magique. On a luxe over ça. Ah, on a plus de front. Si on met luxe à la place de ça, on a plus de front. Mais luxe réduit aussi la résistance magique des ennemis. Tant qu'on n'a pas Jarvan, on va mettre luxe. Et ça me rend sorcier avec Taric. Je pense que luxe est une meilleure unité. Enfin, il était deux. Mais luxe est une meilleure unité. Et on va avoir du stuff là, ils vont tomber. Jarvan. Ok. Là, comme ça. On perd un bastion. On regagne un bastion. On a un Demacia de trop là. On a luxe en trop. Tant qu'on a Jarvan, on a luxe en trop. Mon board est full niveau 1. Je crois que ça va se ressentir un peu. Lol. Si on gagne ça, franchement, c'est une honte. Lol. Lol. Il s'est fait découper.
s'est fait découper. On avait rien. On a rien. On a rien. On monte au niveau 9. On a rien du tout, quoi. Là, on est... On est en short. On est vraiment en short. Il me faut 76 gold. Gold. Je suis à 45 HP. Est-ce qu'on roll ça là? En vrai, je crois que faudrait les roll. Aïe aïe aïe. Faudrait les roll, les units. Là, on va prendre des grosses patates. Là, ça envoie 13 par défaite, je crois. 13 dégâts par défaite. On n'a pas le droit de prendre 3 défaites. Ouais, la fronde va pas tenir. Hein. Je crois que la fronde va pas tenir. Là. 45. 29. Il va falloir bouger. Ouais, je pense qu'il faut roll. Ah, je sais pas s'il faut roll ou push. 72, je les ai là, mais ma fronde va jamais tenir, non? Vas-y, je peux pas. Et peut-être que maintenant... 72. Un peu mieux. C'est un peu plus solide, je crois. C'est bon, j'ai lâché deux rolls. J'ai lâché deux rolls, je me sens bien. Ouais, bon, ils sont morts d'un coup. Heureusement que j'ai lâché deux rolls. Sinon, on aurait peut-être perdu. Bon, ouais, faut push. 11 gold. Je sais même pas si je vais avoir assez pour push. Soixante-quatre, soixante-cinq, soixante-neuf. Il va manquer un gold. Allez, filez les buffs là. 68. Je rentre rien, mais je suis niveau 9. Ok. Ouais. Des boîtes 7 karma. Ok, je suis pas dead. Je peux rentrer luxe. Je suis pas dead. Je peux rentrer luxe. Je peux rentrer Cassante qui est bastion. Faudrait que je rentre un bourreau ou un bastion. Bourreau, ça fait 30% de dégâts supplémentaires pour la Kayle. Si on tombe contre le premier qui a Action 3, je pense qu'on meurt. Lui, on vient de le déboîter. En vrai... Ça baisse la ré... On devrait rentrer bourreau. Ah non. Oh non, Jarvan a pris les items. Ah, je suis mort.
Elle a que deux items, Mikhail. Jarvan a pris les items. Horrible. Ok. Ah. Jarvan a pris les items, ce con. J'ai encore envie. Jarvan a pris les items. Non, je crois pas. Ok, on va essayer de se placer, hein. Issa Yasuo. Je crois que je mettrai Ahri à la place de Kassadin. Hein. Alors là, j'ai mis Senna. J'ai pas de Ahri. Ok, Jarvan a cast. Jarvan a casté, au moins. Allez, Kayle, tu peux le faire. Je peux le faire, Kel. I believe in you. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Ahri, ça rentre rien. Hein. Ça fait des gros boucliers, ça. C'est des très gros boucliers, du coup. On met les deux là-dessus. Hein. J'aurais sorcier et t'as... J'aurais sorcier. Ouais, sorcier, ça sert à rien. Hein. Enfin, ça ajoute rien, sorcier. Enfin, ça fait rien, sorcier, non? Je crois que ça fait rien, sorcier. On va essayer d'avoir des gros boucliers sur ma team avec elle. Si elle peut caster deux fois, c'est vraiment huge. Ça évite ma team de partir en fumée, mais... Là, y a Talia 2, Double Trouble... Je crois que je suis mort quand même. Ouais, j'ai plus de team. Bon, ça aurait pas changé grand chose par rapport à ce match-up, je crois. Top 3. On s'est bien battu. En vrai, lui, il avait... jumeau maléfique, si vous avez exactement deux champions, deux exemplaires du même champion, il gagne beaucoup de stats. Il a deux ça. Donc il a Talia 3, 7-3, Teemo 3. Compo des enfers. Lui il a Action 3. Ouais, avec hiver éternel. En vrai, je pense que ça aurait rien changé. Lui je pouvais pas le battre. Beaucoup trop de burst en fait. Le truc c'est que le stuff sur les deux Talia, ça donne beaucoup trop de burst. Et moi, ma front était pas assez solide. Lol. 300 HP. Bon, c'était quand même une belle partie. On a serré tout ce qu'il fallait serrer, quoi. C'était quand même une belle partie. On repasse Diamant 2. Diamant 2, 49 PL. On peut en tenter une petite dernière. Petite dernière pour passer. Pour essayer de repasser Diamant 1. Les compos reroll qui me réussissent bien. J'arrive bien à jouer ces compositions. Donc les compos reroll, c'est des compos où tu vas rester. Tu vas rester au level 5 ou au level 6 assez longtemps. Trouver des 3 étoiles et tu pushes après, quoi. Et ça, j'arrive bien à gérer ça. Le problème, c'est que si tu te rates, ta partie est finie.
C'est vraiment le seul problème. Mais Makimi, t'as vu, finalement ça paye. Si finalement ça paye, tu vois, d'être tout nu. Je pense que j'aurais dû dépenser un peu plus. J'ai pris deux patates que j'aurais pu éviter, quoi. Il y avait sûrement un spot où je devais dépenser 30 gold, essayer de trouver des champions niveau 2, et ensuite tanker deux rondes. Les petites stages. Les petits stages cap 3 où t'as pas trouvé ton 3 étoiles. Bah, c'est fini, la partie est finie dans ces cas-là. Si tu trouves pas tes champions 3 étoiles au moment où les autres sont niveau 9, en fait, si t'es niveau 5 et que t'as 5 champions sur le board, et qu'en face, il est niveau 7 ou 8, il a 8 champions sur le board, et tes champions sont pas niveau 3, c'est pas possible. Ça passe pas, quoi. C'est les joies de la partie de TFT rapide, quoi. C'est vraiment les joies des parties de TFT qui terminent très vite, quoi. Quand t'es... c'est exactement ça. Quand t'es niveau, quand t'es niveau 5 et que t'affrontes 8 champions en face et que ça fait... Et que ta team implose. Regarde, j'ai KL3 et moi j'ai 8 vols. Non mais KL3, au bon moment, dans le bon timing, ça passe. Hein. Le plus important, c'est de clean. Le plus important, c'est d'arriver à tuer des unités. Alors ce mode de jeu, j'aime bien. Couronner l'un de vos champions et essayer de le protéger. Moi, les gens n'aiment pas ça. Mais j'aime bien, ça fait un peu... ça fait un... Ouais, les gens n'aiment pas. Rewind. Pour le contenu. Fontaine des rêves. Alors, chaque tour, on gagne une unité adaptée à notre équipe. Donc ça nous pousse un peu à jouer des verticales, des horizontales en fait. Les gens disent verticales, mais ça nous pousse un peu à jouer genre tireur d'élite ou Yonia. Vu qu'à chaque phase, on va gagner un champion adapté à notre équipe, il faut qu'on adapte notre équipe pour avoir un champion adapté à notre équipe. Je sais pas si vous avez suivi. L'idée, on sait pas encore ce qu'on va jouer, mais on va le jouer. On peut jouer 4 tireurs d'élite du coup. Ça va nous donner nos tireurs d'élite. On peut jouer Yonia. Alors. On joue contre Horn, Poro, Horn, Aurélion Sol, Poro, Caitlyn, Poro. J'aime bien, j'aime beaucoup Samira parce que en early game, elle fait des gros dégâts, elle. Elle clean beaucoup. On a deux pops. Deux poppy. On a aussi potentiellement un start Noxus avec ça. On a plein de poppy. On a plein de poppy. On peut jouer Yordle aussi. Cœur de canonnier Jinx. Augmenter de niveau coûte 3, d'XP de moins. Vous gagnez une unité de palier 1, 2 de palier 2, 1 de palier 3. Chelou ça. Non, on joue Kayle hein. Ah non. On joue Kayle. Comment on joue ça hein? Darius. Je peux faire Poppy avec Stone Plate. J'ai ma Gizu pour Kayle.
coup-ci, on peut reroll Poppy, quoi. Et en fait, c'est pas mal, parce que si j'ai un champion adapté à mon équipe, je vais avoir mes champions plus vite. Ce coup-ci, on peut le faire. On peut le faire mieux, ce reroll de Kayle. On peut faire un reroll Kayle avec une Tristana, quoi. Ça fait combien? Ça fait... ça... ouais, elle me coûte un peu des codes Tristana, quand même. Elle peut me faire Winstreak. On va voir si on met la baguette ou pas. Ouais, je pense pas que je gagne. Après, si je clean des unités, c'est ok aussi. Ah, je crois qu'on on retente du... ah, j'ai beaucoup de Poppy. Pas de Maokai par contre. Ok, qu'est-ce qu'il joue lui? Cœur de sorcier. Cœur de sorcier bastion. Sorcier. Lui joue Noxus. Néant combattant. Forge à retardement. AFK économie. Transfusion. Attends, c'est quoi ça? Une Kayle avec un spell crit. Une Kayle avec un spell crit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Transfusion. Il joue quoi sur son board? Il joue Shogat Maokai. On a dit qu'il nous fallait un arc. On a la Guinzu. Je sais pas ce qu'il veut faire avec sa Kayle. Pas trop ce qu'il veut faire avec sa Kayle. Mais ça me donne des Demacia en plus. YOLO. J'ai Bastion Demacia. On a envie de faire... ok, on veut roll, je sais ce qu'on fait. On veut roll Poppy, Kayle, en Yordle, Kled. Ouais. En Yordle, on veut Kled et un random Yordle, on peut dire... ce sera Heimerdinger quand on montera de level, mais... peut-être Tristana. Peut-être lui. On veut Maokai. On veut Poppy, Kled, nanana, ça on s'en fout. Et en Demacia on voudra... pareil.
on va pas jouer. Jarvan en Demacia, ouais, un petit Jarvan. Mettre un Jarvan à côté. Pour l'instant, on peut garder lui et on mettra Jarvan. On va pas prendre le Timo maintenant. Tac, tac, tac. Ouais, Demacia, Demacia. Demacia, ce sera Jarvan, du coup. Il faudrait peut-être un stratégiste. Ah bah, c'est Timo pour stratégiste, du coup. C'est Poppy. Et Timo pour être stratégiste avec Jarvan. Ok, c'est Timo. Pas Tristana, c'est Timo. On nous donne stratège. Ok, si on veut, si on met un Jarvan, on veut peut-être un vœu du protecteur. Il faut un, peut-être un GS sur cette Kayle. Ok, on peut jouer 4 Targons. On pourrait roll maintenant un peu. On dit que c'était Timo. Ouais, on fait 4 Targons. On peut faire statique aussi. Canon ultra rapide, je pense que ça va manquer de dégâts pour le late. Est-ce qu'on veut roll au 5 ou au 6 du coup? Il nous faut Poppy 3, je pense. Il nous faut Poppy 3, Kael 3 et probablement Maokai. Les 4 actualisations, vous en avez une gratuite. Gagner 2 champions. Pff, ah, ça c'est horrible. C'est censé être bien Bande Pandore, mais. Essayez, hein. Non, je monte au 6. Je monte au 6 et je roll au 6. Je fais un statique sur, sur Son. Enfin, c'est peut-être pas très sage de roll au 6, mais hein. Au moins je vais pas prendre l'enfer là. Je vais essayer de pas prendre l'enfer. J'ai les 4 bastions, il faudrait que j'ai Kayle 2 en fait. Juste Kayle 2 pour avoir des bons dégâts. Moi juste Kayle 2.
pense que juste scale 2 pour tenir ce stage, c'est important. Ouais, j'ai pris l'augmente qui fait ça avec les champions, mais je sais pas si elle est bien. Ouais, peut-être pas du push, parce que du coup j'ai 25% d'avoir des level 1. Je pense que le push était mauvais. J'aurais dû prendre ticket et roll avec le ticket. My bad. GS. Double Ginzu. Double Ginzu. Quel 1 faut transitionner ? On joue quoi avec ça ? Ah peut-être, non mais carrément. Dommage pour Poppy quand même. Non c'est vrai, une petite transition. Qu'est-ce qui prend double Ginzu statique ? Maintenant que c'est fait. Elle veut pas passer deux, elle veut pas passer deux. Mais ah bah elle est deux. C'est bon, elle est deux. c'est tellement pas suffisant. C'est tellement pas suffisant. Après j'ai mis le statique en plus. Mais on pourra lui retirer son stuff avec le suppresseur magnétique. Ouais, double Ginzu statique, ça envoie des patates hein, quand même. Ah, j'ai gagné. Ok. Bon, on a fait win, lose, lose, win. On va faire tourner un Shogat. Bah il me faut Maokai et Poppy surtout. Une fois que j'ai Maokai et Poppy, je peux transitionner sur un peu tout. Je crois qu'on va rester là et on va avancer. Enfin, on va essayer. Hein. On va stick to the plan, quoi. Et d'un. Ok. Ah oui, mais j'ai des units adaptées à ma comp aussi qui arrivent. Oh, il y a un Kay. Wouh. Ah, il a Kayle 3 lui. Kayle 3, Tristana 3. Ah non, il voulait vraiment aller sur Kayle en fait.
Il voulait vraiment aller sur Kael. C'est peut-être parce qu'il les a toutes prises que j'en vois pas. Entre les 25 actualisations et tickets dorés, c'est un peu pareil, non? Mais il y a moyen que... ça me sauve. Emblème Bastion. Et Tariq. Ça va le faire. J'ai bon espoir. On va y arriver. On va y arriver. J'ai déjà clé de 2. Quoi ça? En 4 HP, on... Non, ça va le faire, c'est bon. Arrête. Voilà. Déjà, ça le fait. Il faut qu'on ait... On va en trouver. Je pense que je vais avancer. On peut avoir Kassadin aussi. Juste des Poppy. L'enfer. Une Kayle. C'est le 7 combien? C'est le 7-9, canne à sucre. On est sur le 7-9. On va essayer de passer en 6 bastions. Mais je peux pas level up tant que j'ai pas trouvé ma Kayle, je pense. On sera peut-être jamais 9, mais... Hein. En fait, il me faut au moins Poppy 3. Je pense que c'est Poppy qui va faire les dégâts, mais... Mais on n'a pas de Poppy non plus. On pourrait attendre que lui, avec sa Kayle, crève... Ça nous arrangerait en fait. Je peux faire un zap sur Poppy. On prend ça. Tu l'as depuis 3. Ah oui. Non mais c'est ça. 1, 2, 3. Non, du coup il faut juste Kayle. Merci Pietro. Il faut juste Kayle, c'est ça, pour Poppy passe 4. Poppy 4, ça rajoute des crowd control et... Ça rajoute du crowd control et des dégâts. Oh, let's go. Donc, faut rentrer Tristana. Que j'ai assez au moins. YOLO. Et soif de sang. On peut la mettre solo. Hein. Et le plan, c'est de rajouter Shen. Au prochain tour. En fait, c'est Poppy, mon carry. Là, faut passer 8, quoi. Bon, on a plus de carry. Appu Kayle. En vrai, j'ai un bastion de trop du coup. Kassadin en trop. On peut rajouter Demacia.
Ouais, faudrait. Il me manque 60 gold pour level up et pour entrer le. Pour entrer le full bastion. Ah là, on va essayer d'assurer un top. Un top 6, quoi. Je pense qu'on pourra pas gagner cette game dans tous les cas. Ouais, un petit top 6, ce serait top. Échange Kayle et Tristana de place. Je sais pas si ça change. Ouais, ça peut. Ça va pas changer grand chose, non? J'ai l'impression que ça va changer grand chose. J'ai Kassadin, je pense que je peux remettre Kassadin 3. Oh, Kassanté. Pas grand chose. Poppy. Allez Poppy. Allez, faut tanker là. Faut tanker pour la famille. Allez, let's go. Hein. 56 gold. J'aurais peut-être dû garder un Kassada 1. Je veux juste rentrer le 6 bastions. En fait. Ok, si j'arrive à passer ce round, je suis bien. Oh, il est solide, lui. Ouais. Ouais, si mon Kassanté peut taper sur ça... Ah, et mon Kassanté va mourir sur Lux. Ouais. Allez, pas Kassanté. Du coup, Poppy, est-ce que Poppy va tanker? Ah, je crois que je passe pas ce combat. Ah, c'était close. Est-ce qu'on est top 8 là? Top 6? Let's go! Let's go, on a fait top 6! Bah lui il jouait quoi? Lui il jouait Kayle, il jouait Kayle reroll lui. Il a fait 0. Ouais bah il a essayé, il jouait Kayle reroll, il a fait Z. Donc celui qui m'a contesté a fait 8ème, ça c'est cool. Et c'est peut-être à cause de lui qu'on a galéré autant. Mais waouh, ils sont forts. Hein. Lui là, Kata 3, Darius 3. Lui là, level 3, level 3, level 3 et une Lux derrière. Bon, mais... Non, Kitsunae, c'est gentil. Je pense que je ferai une petite... Je reprendrai le stream TFT demain. Je ferai une petite session TFT demain, avant la session MTG. Et on continuera le grind... Après mon event à Barcelone. 30 mois. Merci Rickmo pour ta présence. Et en vrai, merci beaucoup Rickmo. Merci à toi. En vrai,
En vrai, ça demande beaucoup, 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 beaucoup d'énergie mentale de jouer bien des games de TFT. Oh, et les 3 ans de Krav. Merci, merci les amis. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Merci à vous pour le soutien. Quand je regarde les comps types sur Mobafy et tes comps, les placements n'ont rien à voir. Ouais, c'est possible, Sopalin, que les placements des... Que les placements des champions... qu'il y ait des petits placements optimaux. Je travaillerai un peu dessus, du coup. Je travaillerai un peu mes placements pour les prochaines fois. C'est vrai que s'il y a des placements spécifiques, on regardera peut-être ça. On se regarde... J'arrive pas à parler, je suis désolé. On se regardera ça au calme pour les placements, les trucs comme ça. S'il y a des placements favoris à TFT et que je ne les connais pas, je regarderai un peu sur les comp builders ce qu'il en est. Je vais faire une, je vais faire juste une petite pause. Je me fais couler un petit café. Et je vais me faire couler un petit café et puis je reviens de suite. Je vais aussi faire une petite coupure du stream, quelques minutes, histoire de séparer les VOD. Donc restez avec nous. Je vais remettre la, je vais mettre la petite vidéo d'intro, 5 petites minutes de vidéo d'intro, et je reviens. On met le train de live. Je fais quoi? Je mets un petit... je dois changer la catégorie du stream aussi. Merci Rickmo pour l'abonnement offert. Si tu veux, si vous voulez le train, il faut que ça passe par... il faut que ça passe par quelqu'un d'autre. Let's go, j'ai changé. Je mets l'écran d'AFK et je reviens... du coup, je reviens de suite, les amis. Bon, j'arrive... Est-ce que j'ai l'écran d'AFK? Let's go. Let's go. Ouais, je coupe rapidement pour qu'il y ait la notif et je reviens. Ouais, presser un petit F5.